voix faute, mais bon. Thank you.
Et oui, retour à la réalité, je perds 7-5 et je perds également le deuxième set 7-5. Donc là, je ne défais que le premier set. Bilan du match en sandwich comme d'habitude, avec une entame de match plutôt sympa en liftant des deux côtés. Mon adversaire jouait un petit peu court, donc j'en ai profité. Les moulins sur mon match, je n'ai pas tourné les épaules assez rapidement. J'étais un petit peu feignant sur la rotation d'épaule, surtout quand j'étais entre guillemets agressé. Je n'ai pas continué à faire du jeu haut et lifté, ça c'est dommage. La défense était trop passive et notamment quand je défendais côté revers, je me replaçais trop vite au centre. Et je trouve qu'avec le Covid, j'étais un petit peu cuit d'ailleurs. Je t'avoue que j'étais cuit dès l'échauffement. Alors les plus, évidemment, c'est jouer plus long, traverser beaucoup plus la balle. Ça c'est un truc très 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 important à faire pour toi et donc là pour moi. Avec des appuis dynamiques vers l'avant, notamment sur les balles courtes, mettre plus d'effet en revers pour essayer de faire reculer l'adversaire et au niveau mental, jouer point par point ou jeu par jeu sans se relâcher. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. On va te donner des petites billes pour serrer le match. Quand tu mènes 4-1, pense pas au score, essaie de conserver ta tactique. Et là, j'avoue que c'est bien joué à Rémi qui m'a vraiment mis sous pression avec son coup droit. Et moi, ouais, j'ai pas réussi à faire en sorte de un peu plus monter, un peu plus puncher et surtout à jouer plus long. Alors après tous ces points de travail à mettre en place ou ces points d'amélioration, il faut que tu arrives à te fixer des axes prioritaires. Donc là, je m'en suis fixé 4 qui sont très très simples. Le premier, c'est un axe prioritaire au niveau technique, avec l'utilisation de la main gauche pour mieux tourner les épaules. Hein, je suis droitier, donc l'utilisation de la main libre, c'est la main gauche, en coup droit et en revers. Ensuite, un axe prioritaire au niveau tactique, jouer plus long de manière à repousser mon adversaire et avoir des situations d'attaque. C'est un basique, mais c'est important de le refaire, de le remettre en place. L'axe prioritaire physique, mais comme je suis sorti du Covid, pas facile. Donc là, je suis en train de faire de la résistance vitesse et notamment les courses vers l'avant qui étaient un petit peu aléatoires. Et enfin, un axe prioritaire mental, jouer et se détacher du score, serrer le poing pour vraiment puncher un maximum et surtout jouer, jouer, penser à jouer, surtout ne pensez pas au score. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous réserve une surprise sur un format de jeu prochainement. N'hésite pas à t'abonner, merci à toi, have fun et puis surtout amuse-toi bien.